Prochaine demande spéciale, donc c'est une demande spéciale d'Annabelle. Donc Annabelle, c'est ta demande spéciale. Je suis vraiment contente que tu aies demandé ça. Donc j'ai jamais fait cette chanson-là. Mais j'adore Heart. En fait, je suis allée les voir au Centre Bell. Mon Dieu, c'est, il y a quelques mois, ils sont venus au Centre Bell à Montréal. Puis j'y suis allée avec Pat mon batteur. Donc, ça va être un peu pour Pat en même temps parce que je me souviens qu'ils ont vraiment fait Crazy on You. Puis moi, je suis vraiment crazy folle de, il y a un jeu de mots, de cette chanson-là. Donc, j'adore cette chanson-là. Puis j'ai toujours voulu la faire. Puis je disais avec le guitariste avec lequel je travaille, avec Sylvain présentement, je disais, faut vraiment, vraiment faire Crazy on You. Donc, je vais vous la faire. Ça va peut-être être mauvais aussi. Mais c'est pas grave. On verra ce que ça donne. Puis clairement, si vous venez nous voir en spectacle, peut-être pas prochainement, mais on verra quand les bars vont rouvrir. Si vous venez nous voir, probablement qu'un jour on fera Crazy on You, même si Sylvain m'a dit qu'il y a juste une guitare, ce qui est impossible. En tout cas, je sais pas si vous savez de quelle chanson je parle, je vais la faire dans un instant, mais c'est une super chanson de Heart. Donc pour toi, Annabelle aussi, Crazy on You. Try not to burn if I wanna cry. I want.
que t'as aimé. Donc, un jour, en spectacle, on te la fait live. C'est sûr qu'avec des musiciens live, ben, ça va torcher. Bon, là, pour la prochaine chanson, je vais être obligée de changer de micro. Donc, je vais changer mes micros. Là, je vois que ma batterie n'est pas contente. Il y a plein de trucs techniques. Voilà, je reviens. Dans une seconde, en fait, dans un fondu au noir enchaîné, je reviens. Donc oui, j'ai changé de micro, je suis rendue avec mes écouteurs. Donc, c'est parce que je voulais vous faire une chanson qui avait un son quand même différent. C'est quelque chose qu'on est conscient quand on regarde un spectacle, oui et non, parce qu'on a un technicien de son, parce qu'on a un éclairagiste, parce qu'on a un super patron de bar qui s'occupe de faire entrer les gens, de gérer le monde, s'il y a des choses à filmer, de les filmer. Donc, il y a toute une équipe hein, derrière les gens qui font de la musique quand on parle de... Ah, c'est poche. Donc, j'ai changé donc de micro, j'ai mis les écouteurs, donc je vais aller vers un son quand même différent. Nécessairement, hein, je voulais faire une chanson pour les musiciens avec lesquels je suis habituée de jouer, donc on se rencontre à chaque semaine habituellement. Puis malheureusement, ben, depuis les dernières semaines, hein, on ne peut nécessairement pas se rencontrer hein, parce que comme vous, on est confinés. À nos salons, donc on fait de la musique en solo. Mais pour moi, faire de la musique en solo, c'est une chose où ça permet une certaine forme de création, mais j'adore me retrouver avec des musiciens, puis jouer live, jouer en pratique aussi. Donc, pour moi, la musique, c'est d'abord une part de partage créatif avec les autres musiciens, puis par la suite, un coup qu'on sent qu'on les maîtrise, quand on sent qu'on a le goût de vous les partager, on amène notre passion sur scène, puis là, on vous la partage. D'ailleurs, j'espère que ben, quand la vie reprendra son cours, là, puis qu'on pourra sortir, puis que les bars vont réouvrir, puis que les endroits de spectacle vont réouvrir, que vous serez au rendez-vous. Pour moi, c'est d'une extrême importance. T'sais, oui, on voit beaucoup d'artistes qui sont sur YouTube, qui font des vidéos, puis c'est une chose. Je pense que l'air change, mais... pour moi, ça remplacera jamais le fait d'échanger avec des musiciens live, puis d'être sur scène, puis de vous envoyer nos notes, puis nos musiques, quoi, puis nos directement dans vos cœurs. Ah là, c'est full quétaine, fallait que je finisse avec un truc quétaine. Peu importe, cela étant dit, c'est important pour moi de rendre hommage, puis en plus, il y a aussi, hein, quand on parle de bar, il n'y a pas juste les musiciens qui jouent sur scène, il y a le technicien de son, il y a celui qui s'occupe de l'éclairage. Puis ça, on le voit hein, quand on vous présente des vidéos YouTube, ça a l'air bien cool comme ça, mais il y a tout un travail à faire. Oh, allô, Jazz! Justement, parce que là, je suis tout seul dans mon salon et tout, puis là, le chien est là, le chien part à courir, là, ça va faire du bruit pendant que je chante, c'est le genre de truc que quand un technicien est un caméraman, ben, tu fermes la. Tu coupes, tu sais. Mais là, je peux pas comme couper. Fait que ce que je vais faire, fait que je vais partir cette chanson-là, en fait, donc je vais faire My Immortal. Que le guitariste avec qui je suis habituée de jouer aime beaucoup. Donc, c'est une chanson qu'il aime beaucoup, puis il l'a fait à la guitare. Donc, la prochaine fois, en fait, que vous venez nous voir en show, cette chanson-là, je crois qu'on va vous la faire en full band. I'm so tired of being suppressed by all my childish fears. And if you have thank you.
Tout le monde, donc on est rendu à la dernière chanson avec avec Jazz, hein, mon invité spécial, ou plutôt celle qui est dans mon salon, celle qui occupe mon salon, puis là, elle est énervée, donc voilà. Donc, on lui a donné une petite gâterie encore, donc j'espère que vous avez apprécié ce concert de salon-là. J'ai tenté de faire toutes vos demandes spéciales. J'espère qu'on pourra répéter la chose, peut-être un concert de balcon, quand le beau temps va venir. Puis après, ben, ce sera comme, encore une fois, un concert comme ça se donne en salle, donc vous serez les bienvenus. Je voulais terminer avec une chanson, donc Jenny, tu m'avais dit « Ah, oh, mais je veux que tu fasses des tunes up-tempo et tout, blablabla. » C'est parce que tunes up-tempo égale Julie va danser dans son salon, puis tu sais, ça c'est le scénario qu'on veut éviter, je pense que tu le sais. Donc, cela étant dit, je voulais terminer avec une chanson. Je trouve que, oui, c'est peut-être pas la tune up tempo, mais ça l'a clairement. C'est clairement extrêmement positif comme chanson. Je pense que c'est une des plus belles chansons qui a jamais été écrite. Puis, je vous invite aussi, après cette chanson-là, après notre ce concert-là, à venir me rejoindre sur Facebook. Donc, si vous voulez qu'on échange, puis qu'on brise l'isolement, peut-être qu'on regarde les prochaines chansons que vous voulez entendre. Puis peut-être parler aussi de la musique que vous aimez. Donc, qu'on ait un échange sur la musique, comment ça change vos vies. Sur ce, ben, je vous dis, prenez soin de vous. Puis, ben, lavez-vous les mains. Oups. It's easy.
I wonder here.